Arthur de Montaigne-Roulin, j'ai 18 ans, je suis étudiant. Arthur de Montaigne-Clément, j'ai 17 ans. Cette année, le 93 organise une formation militaire initiale pour les réservistes. Cette formation initiale se déroule sur 13 jours. Elle a pour objectif de former des jeunes issus du monde civil qui n'ont aucune expérience du monde militaire. Quelques-uns ont parfois fait une préparation militaire, mais ce sont 13 jours de découverte. L'objectif est de voir si ces personnels qui ont exprimé le souhait de venir dans la réserve sont aptes à occuper un poste de militaire, de réserve. Et puis le deuxième point, c'est effectivement de les former sur les bases du métier de militaire. Ces bases, elles sont principalement, sur cette première formation, elles sont principalement axées sur le tir, donc la manipulation de leur fusil, le FAMAS, et aussi sur le comportement. Et donc l'objectif des cadres qui entourent cette formation est, à la fin du stage, de dire si ces militaires ou si ces jeunes sont capables d'avoir un comportement de militaire de l'armée française. Comment j'ai découvert la réserve ? Déjà, ça a été un peu plus facile pour moi puisque je viens de... mon papa est militaire. D'accord. Donc forcément, le monde de l'armée m'est moins inconnu que quelqu'un qui finalement en a entendu parler ailleurs. Mmh. J'ai toujours été sensible à cet univers de l'armée, aux valeurs que ça portait. Et sans vouloir m'engager en active, j'ai voulu toucher du doigt ce monde-là qui finalement avait toujours fait partie un peu de ma vie sans réellement m'appartenir. Et mon père a fait le service militaire comme tout le monde de sa génération, comme toute sa génération. D'accord. Mais non, j'ai découvert la réserve militaire surtout sur un reportage à la télé en fait. Il y a au moins 6 mois maintenant. Allez, on progresse. Des expériences un peu nouvelles, quelque chose qui rompt totalement avec notre quotidien. D'accord. Et si ça peut être utile en même temps, tant mieux.